base. La boîte de Pandore. Oh là là, oh ma tête. Ça fait mal. Hein. Et donc là, la boîte. Bon, petite confession, j'ai discuté avec Magneto. Oh, génial! Parce qu'il a l'air tellement fiable. Pourquoi tu discutes avec Magneto? Ben, c'est lui qui est venu me voir. Déjà que j'ai fait apparaître un esprit de l'eau... Un esprit? Je suis une voyante, une prophétesse, une femme très puissante! Soyons précises, mon amie subversive. Tu veux discuter ou non? Cette boîte devrait te détruire, et pourtant... Elle te parle. Dis-moi, que te montre-t-elle, hein? Que te dit-elle? Quand je suis reliée à la boîte, elle me promet tout ce dont j'ai toujours rêvé. La paix, l'harmonie, l'espoir. Je sais bien qu'elle me montre ce que je veux voir. Que si j'y succombe, ça me détruira. Mais je te connais. Tu vas pas y succomber. Oh, et cette boîte, elles sont liées. Par le sort, par les cycles du temps et de l'éternel destin. Mais le vagabond, il s'est immiscé dans le déroulement de ce destin. Par sa simple présence, il a réécrit les étoiles elles-mêmes. Désormais, refermer la boîte ne suffira plus. Ce vagabond s'est approprié le pouvoir de la boîte. Ce faisant, il a scellé ton propre destin et le sien. Désormais, tu ne peux plus faire demi-tour. Tu dois affronter le vagabond. Mais je suis juste Hope. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Dresse-toi contre lui et les autres te suivront. Tu n'as pas à y aller seule. Mais Hope, tu as d'ores et déjà tout ce dont tu as besoin. Prépare-toi à la guerre, mon enfant. Une guerre que tu dois gagner. Moi, c'est l'onirisme. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, ça m'est égal. Tout le contenu de la boucle disparu. D'un coup, j'ai assez vu de fin du monde comme ça. Nous devons gagner. Ami, où es-tu? C'était quoi ça? C'était une onde de choc du point zéro de magnitude 6. Oh, grand scientifique! L'énergie est extrêmement instable, mais l'homme immatériel est impatient. Au fait, tous nos renseignements sur l'armée de l'ultime réalité ont été corrompus. Si ces saboteurs sont de mèche avec eux, on devra s'attendre à bien plus qu'une guerre entre organisations. Ne laisse pas la flamme s'éteindre, Jones. Quel que soit le lieu et le moment. Cette boîte devrait te détruire. Et pourtant, elle te parle. Quand je suis reliée à la boîte, elle me promet tout ce dont j'ai toujours rêvé. Que si j'y succombe, ça me détruira. Mais je te connais. Tu vas pas y succomber. Pourquoi je gagne ça, moi? Un sticker personnalisé pour la Backfire. Ok, je prends. Ok, véhicule, c'est quoi? Ah, c'est... Bon, j'en sais rien. Voilà ce qu'il y a dans la boutique. Ok. Oh, le starter pack. Oui, trop bien. Bon, les quêtes de l'histoire. Ok. Ma fille dégâts des adversaires au château de Fatalis. Ah, donc, ok, bon, on va devoir le faire à tous les endroits. Et la suite dans 6 jours. Doom n'a pas pu aller bien loin, nous devons le retrouver. Jones. Ok, l'histoire commence. Hein? Un bug dans le système. Ah voilà. Alors mes quêtes. Donc. Je vais afficher les dégâts. Allez, c'est parti. Ok.
marche. Ah oui, ça marche. Qu'est-ce qu'il fait lui? Allez. Ok, j'ai terminé. Ok, voilà. Ok, j'ai une médaille mystérieuse. Ok, on va essayer de s'échapper. Ok. J'ai le médaillon, oui c'est bon, ok. C'est quoi la prochaine quête? Ah, quête de hop, trouver des preuves à Red Line Rig. Ok, je vais me dépêcher. Je vais peut-être dû prendre un véhicule, on va voir. Alors, nous avons détecté un objet étrange sur le terrain. Hop, ok. Ah là-bas, vite. Oh là là. Ah. Au revoir. Ok, ouh là là, il y a une voiture qui me suit. Je dois faire mes quêtes, mais elle me suit vraiment en plus. Mais elle me suit vraiment. C'est quoi cette folle là? On est plus en saison 3. Bon, bah je vais aller dans la tempête, hein, j'ai pas le choix. Elle va peut-être arrêter de me suivre comme ça. Allez, perds-moi de vue. Oh, elle a l'air bien la quête. Trouver des preuves à Red Line Rig. Mais il y en a juste une preuve. Ramasser la pièce d'armure. Oh. Ah, salut. Justement, je te cherchais. Et oh, attends, c'est quoi ça? Je crois que ça appartenait à Fatalis. Un prototype. Un présage. Oh, l'oracle. Eh oui, on peut dire un prototype. Tu devrais l'examiner de plus près, oh. Pourquoi moi? Bon, ça fait partie des prérogatives quand tu es le sujet d'une prophétie obscure. Je sais de quoi je parle. Oh. Ok, et je dois porter ça. Hop. Et elle est pas encore morte, du coup, je vais me dépêcher. Par contre, elle a droit de mourir, donc. Une voiture, s'il vous plaît. Ma voiture a presque plus de. Ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas comment le vagabond, enfin le docteur Fatalis, a fait pour s'emparer de lui aussi vite. Remettre le casque à Hop. Ce n'est que des rumeurs, et du jour au lendemain, tout a été chamboulé. Oh, je ne suis pas sûre d'être prête pour ce qui va suivre. Désormais, Fatalis prépare quelque chose qui risque de tout nous détruire. Ok. Notre destin est de l'arrêter, mais de quelle manière, je ne sais pas. Ok. Et mise d'adversaire à plus de 30 mètres de distance. Ok. Fatalis voulait qu'on trouve ce casque. Peut-être qu'il a laissé autre chose. Ok. À plus de 30 mètres de distance. J'espère que ça compte. Hein. Ah là là. Comment je fais moi? Ça compte, oui. Oh là là, merci. Ah non. Mais je vais en mourir. Attends. Je dois aller autre part. Allez, vite. Non. À part faire un fusil d'assaut et un. Bon, je garde ça. Non, ne dis pas que je vais mourir. Allez, hop, on relance. Oh! Attends. Là, je l'ai tué, on est d'accord, ça compte? Oui, merci. Merci. Je ne vois pas d'autres pièces et je n'ai aucune idée où Fatalis se cache. Trouver les enregistrements de Fatalis à la statue de Van Doom et à la fracture de je sais pas quoi là. Je vais mourir, j'y passais. Oh non, c'est bon. Il y a vraiment un ennemi là.
mince. Mince. Voilà. Les premières. Oh, je vais juste prendre ça. Non. Bon, allez. Ça me ferait une arme en plus. Allez, premier enregistrement. Écoutez le mémo de Fatalis sur Cynthia. D'écouter ça du coup, parce que si c'est sur les 4 fantastiques, ça peut être intéressant. Je pensais que la vue de ce monument en ruine serait réconfortante pour moi. Au lieu de ça, je ne ressens qu'une avidité béante. C'est à cause de la boîte de Pandore. Donc je dois obtenir une puce de génie en tirant dans la tête des acolytes. Mais il y a des acolytes ici ou pas? Ah, mais c'est fantastique. Ah oui, parfait. Il va faire attendre le truc. Je dois l'attaquer, sinon il va m'empêcher de faire ma quête tranquillement. Ok. Pas tirer dans la tête là? Ah si, oh là là. Voilà, parfait. Un petit décryptage. Ah yes. Fatalis se cache quelque part pour se fabriquer une nouvelle armure. Il se sert de ses Fatalibots pour contrôler son armée à distance. Bon, voyons les choses du bon côté. Au lieu de me demander comment faire pour vaincre Fatalis, on doit d'abord se demander comment l'atteindre. J'ai besoin de réfléchir. On se contacte plus tard. Dans une semaine du coup, ok. Ben vraiment intéressant toutes ces quêtes. Et c'était pas mal. Maintenant je vais terminer la partie. On pense qu'il est déjà mort. Il est déjà mort. Oh oui, merci. Ça en vrai, ça ne sert à rien. Et oui, allez, j'ai réussi. Ok, voyons. Fouet des coffres à des lieux dits trop longs avec des dégâts des adversaires étant en l'air. Ah, mais tiens, ça compte, non? Hop là, ok. Comment ça, voilà. Voilà. Hop là, mort. Ah, il avait le médaillon de... Ah oui. Arsenal de War Machine, ça c'est fort. Oui, mais en vrai, on s'est déjà dépouillé de ça, donc bon. Thank you.
encore un de mort, mais l'autre il m'attend peut-être. J'ai peur. Il est pas là. Oh, j'entendais pas, non, oui. Oh, top 1, oui. Je peux plus bouger. Bon, je fais ma danse. Ok, 20 étoiles. Oh, 20 étoiles. Qu'est-ce que je peux m'acheter? J'ai toujours pas la page de la banane là. Oh, j'ai toujours pas la page de la banane dans un niveau. Oh, c'est une blague. Je peux avoir ça au moins. Je vais me l'équiper. Ok, moi j'ai fait pas mal de quêtes. Dans 6 jours, du coup, le rassemblement des héros. Okidoki.